Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau trophée sur Tomb Raider Remaster. Donc la sagesse de Dionysos, donc ne subissez qu'une seule blessure d'épée dans la chambre de Damoclès. Donc voilà, vous allez voir, hein. Donc je vais vous montrer où activer, donc pour ouvrir la porte. Donc quand vous êtes hein, devant la porte d'Atlas, vous voyez, hein, la porte d'Atlas, elle est là. Elle est juste en dessous, hein, celle de Thor, hein. Vous avez Neptune, Thor, Atlas, et ensuite en bas vous avez Damoclès. Donc là vous allez tirer ce levier ici, voilà, qui est juste ici, hein, voyez. Ça va nous ouvrir la porte de Damoclès. Voilà. Et donc là maintenant, bon, on va devoir aller hein, en bas. On va devoir aller en bas, donc vous vous faites glisser. Voilà, donc vous voyez, hein, là vous avez Thor. Donc là, vous allez sauter en face pour pouvoir descendre. Donc là, hop, vous sautez ici. Là, vous allez avoir une chauve-souris. Et donc là, maintenant, il va falloir que vous sautiez sur la plateforme que vous avez vue là. Donc là, ça va être sur votre gauche. Là, je vous ai fait un cut. Voilà, là, ça va être sur votre gauche. Là, il va falloir sauter. Voilà. Et la porte de Damoclès, elle se trouve juste ici. Hein. Voilà, là vous avez un autre levier aussi. Donc c'est parti. Donc là, vous y allez, les pièges sont pas déclenchés. Donc vous pouvez y aller tranquillement. Hein. Les épées, vous voyez, elles sont en haut. Là, j'ai essayé de chercher, voir pour le trophée, pour les désactiver. J'ai pas encore trouvé. Je suis en train de chercher là. Pour désactiver les épées. Donc là, vous pouvez vous promener, il n'y a pas de risque. C'est dès que vous allez ramasser la clé que ça va se compliquer. Mais vous allez voir, hein, rien de très compliqué. Donc là, vous allez ramasser la clé. Et ensuite, bah, va falloir en fait marcher avec Lara en maintenant R1. Pas courir en fait. Va falloir juste repartir en marchant, tout simplement. Et vous allez voir que vous ne subirez aucun dégât. Donc là, vous repartez, et là, à partir de là, vous vous mettez à marcher. Voilà, vous repartez en marchant, sans courir, en maintenant R1. Voyez, j'ai pas pris de dégâts là, voyez. Ma barre de vie, elle a pas réduit. Donc voilà, voyez, les épées, elles tombent, mais vu qu'on marche, eh ben c'est comme si on marchait dans les pics en fait. Hein. On prend pas de dégâts en fait. Voilà. Donc il vous suffit juste de repartir hein, à la sortie, voilà, en marchant. Tranquillement. Donc vous voyez, les épées elles tombent, mais voilà, on est tranquille. Donc là j'ai essayé de passer, mais ça passait pas du coup. Voilà, passez sur votre gauche. Alors maintenant bien R1. Voilà, faut pas courir. Hein. Si vous courez, ça va vous faire des dégâts. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à consulter la playlist hein, sur la chaîne, je suis en train de vous faire tous les trophées du jeu là. Voilà, donc là je suis dans la région Grèce, hein. Je suis en train de vous faire tout. Il y a pas mal de trophées à faire dans ce niveau-là. Donc voilà les amis pour ce trophée. Bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.